Bon, vous voyez ce bijou là? Eh bien, il a appartenu à Marie-Antoinette, la femme de Monsieur XVI. Monsieur XVI, Louis, le roi de France là, à qui on a... Ouh. Bon, ben, ce bijou, il a été vendu aux enchères, il a été adjugé à 31,8 millions d'euros. Vous vous rendez compte? En même temps, c'est normal. C'est quand même un bijou qui fait perdre la tête. Oh, ça va, on peut bien se moquer, c'était il y a longtemps. Oh, il n'y a pas mort d'homme. Mais non, il n'y a pas... Bah, c'était une femme. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote à ce propos. Quand Monsieur XVI est monté sur l'échafaud, Louis, quand ils lui ont... Bon, mais il y a quelqu'un qui lui a remis, juste avant qu'il ne se couche sur l'échafaud, et qui lui a remis un petit mot. Tenez, Monsieur XVI, c'est pour vous. Et ben, il paraît qu'il l'aurait pris. Il ne l'a même pas ouvert, il ne l'a même pas lu. Et il l'a glissé dans sa poche. Et il a dit, je le lirai à tête reposée. Oh, ça va, c'est du passé, on peut se marrer.